ce soir chez vous, Caroline Diamant, Christophe Alévèque, Isabelle Alonso, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, bonjour, et Jérémy Michalak. Alors vous allez me dire aujourd'hui, veille du 1er mai, je devrais vous parler de muguet. Mais je vais laisser Pierre en parler dans un instant. Moi, je vais plutôt vous parler de chrysanthème. Après tout, voilà, l'humour noir, il vaut mieux faire ça la veille d'un 1er mai que la veille du 1er novembre. Et il y a ce petit bouquin signé 13 qui vient de sortir, qui s'appelle « J'aime pas les people ». Et il se venge de toutes les personnalités en les enterrant et en signant évidemment leur épitaphe. Alors on en a choisi quelques-uns de cercueil. Regardez celui de Loana, toujours en forme. Rocco Siffredi, reine mort. Michel Houellebecq, mort d'ennui, il s'est relu. Hervé Guémard, reloger. On l'avait oublié, lui. François Bayrou, ni à droite, ni à gauche, dans le trou. Dominique Voynet, allez les verts. Philippe Gueluc, chat viré. Oui, bon. Gérard Miller, autopsié. Christine Bravo, hourra. C'est rigolo, c'est signé. 13, ça s'appelle « J'aime pas les people ». Demain, c'est le 1er mai, mais après-demain, c'est le 2 mai. Et le 2 mai, qu'est-ce qui se passe? Le débat télévisé, Sarkozy, Ségolène Royal. Enfin. Et évidemment, il y a une vraie tradition des duels télévisés. Ce serait votre rêve d'en arbitrer un, j'en suis sûr. Non, non, je pense pas. C'est trop strict. Il y a trop de règles. Ah oui? Ben oui. C'est, tout est calculé, tout est millimétré. Il n'y a pas d'espace pour... Il n'y a rien. Donc, alors, la question, c'est combien de points on peut gagner sur un duel télévisé? C'est ce qu'on se demande tous. Ou perdre? Ou je crois qu'on en perd plus qu'on en gagne. Je ne sais fait. Pas. Ah, il y a des formules qui marquent, vous le savez. C'est difficile de vous dire, évidemment, celle qui marquera le 2 mai, mais il y en aura une que l'histoire va retenir. Moi, je peux, en toute sérénité, vous montrer ce que l'histoire a retenu. Regardez. Des débats précédents. Si vous êtes élu président de la République, vous allez dissoudre l'Assemblée. Pas garder l'Assemblée telle qu'elle est, naturellement. Bien. Vous voyez, même à vous, ça vous apparaît logique. Oui, oui, oui. Là, dans ce cas, oui. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans si les oui. yeux, je la conteste. Ça c'est mort de grandeur. Ça s'est aggravé. Non. D'abord, je n'aime pas beaucoup, hein, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur. Oui, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Ah, c'était des bons moments quand même, hein. On va évidemment regarder, ce sera sur France 2 après demain soir. Moi, j'avais une idée hein, pour mercredi soir, mais personne n'a suivi l'idée que j'ai lancée la semaine dernière, parce que c'est vrai qu'on dit que ce sera à PPDA, Arlette Chabot. Oui. Franchement, il y avait une meilleure idée que ça, c'était mettre Sarkozy, non, Sarkozy contre Ségolène Royal, face à face, et au milieu, au centre, François Bayrou. C'est lui qui aurait arbitré le débat entre les deux, on n'aurait pas fait mieux. Alors, je vous vois avec votre muguet, mon petit Pierre. Ben écoutez, c'est la première fois que j'accepte de regarder ou de toucher, surtout je ne touche pas, du muguet avant le 1er mai. Parce que ça porte malheur. Ah bon? Il faut l'avoir le jour même, le ah muguet. Bon oui, il y a plusieurs règles. Alors, il y a ceux qui sont partisans du pot. Il y a ceux qui partisans... ceux qui sont partisans, on propose le pot ou on propose la botte. Il y en a qui prépare Nicolas Jardinier. Seulement une clochette. Vous connaissez Pierrot le jardinier? Voilà. Oui, bien sûr. Une clochette du muguet. Alors le muguet, en plus que j'ai... Pardon, je vous en prie. Non, 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 vous allez être encore plus ridicule que d'habitude si vous continuez. Alors donc, ce muguet d'abord, oui. Ça sent très bon le muguet. Ah. Tenez, santé mon petit loup. Et hop, emballé. D'abord, ça sent très bon. En plus de ça, ça a inspiré tous les poètes. Ah.
ça a inspiré la chanson de façon absolument incroyable. Il y a deux chansons de Piaf inoubliables où elle dit « Amour du mois de mai, tu sens bon le bonheur. Léger comme un muguet, tu fleuris dans nos cœurs. » C'est beau, ça. Et une autre ? Une autre, à la demande générale. C'était une fable chantée d'un chansonnier très célèbre à l'époque qui s'appelait, je ne me souviens plus, et qui chantait « Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. » N'est-ce pas, ça en rappelle des souvenirs, hein ? Allez, tout le public avec moi, là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Parce que j'ai pris des notes. Alors, oui, alors il y a comme ça des choses. Le muguet du 1er mai, le poisson du 1er avril, la cocarde du 14 juillet. Ouais, pour le 29 mai, c'est aujourd'hui le 29, non, c'est le 30 ou le 29? Pour le 30 avril. Pour le 30 avril, aujourd'hui, on donne 100 euros à son meilleur ami. Ah bon? Et oui. Christophe Lévesque, quand on passe sous la douche, il faut faire attention. Oh oui. N'est-ce pas, Christophe? Alors là, on est loin du muguet. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Attention. Alors, dans la série... J'ai l'impression d'être Maryse du téléachat. Et oui, dans la série, on n'arrête pas le progrès. Et alors, voilà, je ne sais pas... Oui, on l'a en photo. Oh, oh, oh. Eh bien, on croit... Alors, normalement, c'est censé être une radio, une mini-radio qu'on offre comme ça, normalement, hein, si vous verrez pourquoi, qu'on offre à une copine. De préférence, bien gaulée. Ouais. Hein? Comme ça, elle peut chanter sous la douche, elle peut écouter de la musique, elle peut fumer si elle a le nez pour. Et tout ça, en fait, à l'intérieur de cette mini-radio. Et bien, en fait, il y a une caméra qui est cachée. Non. Et si, vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que t'offres ça à la copine, comme ça, alors elle est contente, elle s'est dit « Ah, j'ai chanté sous la douche !» Et pendant ce temps, toi, tu la mates pendant qu'elle se douche. Alors, c'est honteux. Alors, j'allais justement le dire, c'est honteux. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Surtout si c'est un ton. Mais elle le sait pas. Alors non, c'est un procédé, évidemment. Alors, il y a deux solutions. Alors, ou elle le sait pas, là, c'est effectivement totalement abject. Sinon, la copine est d'accord. Ah oui. Oui, mais si la copine est d'accord, pourquoi faire des frais? Elle a qu'à ouvrir le truc et on va... Mais non, parce que toi, tu fais trop violent. Et moi, je le mettrais où? Je prends des bains. Toi, tu tiendrais pas dans l'écran. Dans l'écran, je viens de vous le dire. Allons du côté de Cambrai, puisque alors là, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je sais pas si vous avez lu l'article, mais quand vous m'avez dit que vous alliez parler des bêtises de Cambrai, j'ai trouvé ça formidable, Caroline, parce que j'ai appris quelque chose en lisant ce papier. Alors moi, j'ai plus qu'appris quelque chose. J'ai tout appris sur les bêtises de Cambrai. Mais parce qu'on dit toujours bêtises, haha, Cambrai, ou Cambrai, haha, bêtises. Alors, je ne savais pas, donc d'abord, avant que... Ah non, je l'ai bien vendu, là. Image d'Épinal. Alors, je vais vous expliquer Allez-y, ce qui se passe. En 1830. Allez-y, qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y, Raon. Oui. Mais le truc de Raon. Ah bon? Pour la peine, je vais parler la bouche pleine. Alors, vers 1830, c'est dégueulasse. Là, on fait une bonne pub. Excusez-moi. Vers 1830, oui, à Cambrai, il y avait une grande pâtisserie. Pourquoi est-ce qu'on a donné naissance aux bêtises? Parce que le jeune garçon, qui n'était pas très doué, eh ben, il a raté son truc. Et sa maman, pas contente, elle lui a dit « Ah, bah, tu fais rien que des bêtises !» Bien avant la chanson. Et donc, ça s'est appelé la bêtise de Cambrai. Alors, c'est un petit bonbon. Loupé. Pour qui aime la... C'est un bonbon loupé, absolument, pour qui aime la menthe, parce que c'est du sucre avec de la menthe. Envoyez-moi. Alors, non, il n'y a non, plus... Pas pendant le service. Il n'y a plus que deux maisons, aujourd'hui, où on fabrique les vraies bêtises de Cambrai. Je n'avais jamais vu de bêtises de Cambrai. Moi non plus, jamais goûté. Enfin. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... J'ai vu un connard de Cambrai, c'est jamais... En fait, maintenant, il y a plein de nouveaux parfums. Vous n'aviez jamais vu de gonzesse de Cambrai, mais... Moi, je croyais que c'était des petits gâteaux délicieux. Non, c'est des bêtises. Merci, Raon.
Jérémy Michalak. Alors, moi, j'ai trouvé quelque chose dans la presse, dans le magazine. Ça m'intéresse et ça va vous intéresser, j'en suis sûr. C'est un nouveau sport féminin branché qui vient de voir le jour au Canada, qui vient d'arriver au Canada. Là, il y a une fédération carrément qui vient de naître là-bas au Canada. C'est la fédération du Pillow Fight. Le Pillow Fight, si on traduit en français, c'est la bataille de polochon, qui est devenue un sport féminin branché. Alors, le principe, c'est très simple. Vous prenez deux nanas, vous leur mettez des polochons dans les mains et elles se mettent des grands coups dans la tête. Il y a un arbitre qui est derrière. Pillow, c'est polochon. C'est oreiller. Vous avez Alors, c'est un phénomène qui est maintenant mondial, puisque donc ça, on voit la version féminine, mais il faut savoir que ça existe déjà chez nous. Regardez les images, c'était à Paris, sur le Champ de Mars. Regardez. Dans le dos, ils ont l'école militaire quand même, hein, donc ils y vont, ils prennent pas trop de risques, et les mecs se mettent des gros coups d'oreiller comme ça sur la tronche. C'est plutôt rigolo. Ça sert pas à grand chose. Disons plutôt rigolo. Et quand je vous dis que c'est un phénomène mondial, qui a vraiment un record du monde de la plus grande bataille de polochon qui a été battue. C'était à Atlanta en 2006. Regardez, plus de 10 000 personnes qui s'affrontent à coups d'oreiller. Et là, c'est vraiment impressionnant. Il s'agit d'un polochon. Ah non, non, il se tape dessus. On dirait un meeting politique de loin. C'est trop bien, quoi, de Jean Polichon. Oui. L'invité que nous allons maintenant accueillir s'appelle Michel Freud. Comme par hasard, elle est psychothérapeute, diplômée en psychologie, en sophrologie et spécialiste de la gestion du stress et de la perte de poids. Dans un ouvrage intitulé « Réconcilier l'âme et le corps », Michel Freud nous propose une série d'exercices pratiques pour, entre autres, écoutez bien, retrouver la confiance en soi, mincir, vivre une sexualité épanouie, maîtriser ses peurs ou encore mieux, vivre sa solitude. Pour parler de cet ouvrage, Réconcilier l'âme et le corps, paru aux éditions Albin Michel, et non pas chez Marabout, comme on pourrait le croire. Accueillons tout de suite son auteur, Michel Freud. Bonsoir et bienvenue. J'ai jamais vu un bouquin aussi peu épais résoudre autant de problèmes. Vous avez l'impression qu'il va résoudre des problèmes? Bon, je pense que ce sont des petits outils, des techniques, parce que nous sommes dans une société aujourd'hui qui, où il y a beaucoup de stress. Et puis, Je vais vous dire, moi, rien que de regarder, parce qu'à l'intérieur, il faut le dire quand même, il y a un CD, et rien que de regarder le CD, prendre le temps de souffler, je me sens déjà mieux. Et c'est vrai que rien que ça, parfois, ça suffit. Mais oui, parce que les gens nous oublient de respirer. La plupart du temps, on est dans une respiration haut-thoracique. Et le simple fait de pouvoir respirer, se détendre, permet de libérer une énergie et de faire en sorte que l'énergie circule. Annie Lemoine, je crois, a trouvé ça très bien. Mais oui. Je sais que Pierre me fait déjà les gros yeux. Mais oui, pourquoi? Parce que ce sont des outils, comme vous dites si bien. Ouais. C'est une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on vit dans des villes empilées les uns sur les autres, avec de la pollution, avec des agressions, de la tension au travail. Donc on a besoin de choses comme ça. Si on habitait comme la jeune femme, ou si on se promenait au bord de la mer en respirant, en s'ouvrant, on n'aurait pas besoin de ça. Donc vous proposez des clés en vue d'un équilibre ou d'une harmonie retrouvée. Et j'ai essayé vos exercices sur le CD, je me suis allongée sur un canapé, j'ai écouté, c'est votre voix ? Oui. Hein ? J'ai écouté votre voix, au début ça vous paraissait étrange, vous avez envie de rire, et puis vous lâchez, vous vous prenez au jeu, et ça fait du bien. Bien sûr, ça fait baisser le stress. J'ai une question à vous poser, c'est est-ce que ça ne va pas être la ruine des sophrologues, puisqu'on peut apparemment le faire à la maison ? Une consultation chez un sophrologue, ça coûte 70-80 euros. Or, ça marche, visiblement, quand on écoute le CD. Oui, parce qu'en fait, on peut très bien utiliser ces techniques chez soi. 5 minutes dans la voiture, dans le métro, à tout moment, simplement pour se détendre. Je crois que ce qui est important, c'est de devenir aussi son propre thérapeute, d'avoir sa boussole intérieure pour se dire... Bah, j'ai des outils parce que la plupart du temps, on pense que c'est les autres qui détiennent la clé de notre bien-être. Et on peut soi-même justement acquérir des réflexes nécessaires pour recharger son équilibre et son système neurovégétatif. Vous êtes l'arrière-petite-fille du grand Sigmund Freud. Pareil, oui. C'est lourd à porter ce nom. J'ai essayé d'en changer, ça n'a pas marché. Vous avez essayé d'en changer. Pourtant, vous êtes dans un créneau où il a pas mal réussi, quand même. Comme quelqu'un qui s'appellerait le nôtre et qui dirait « je veux pas être pâtissier ». Enfin, non, mais sérieusement. Et vous ouvrez boutique.
en disant, vous allez voir, comme en Amérique, vous allez voir, on a des recettes. Alors moi, j'avais des recettes parce qu'il y a un problème qui m'intéresse un peu. C'est par exemple pour la... Pour le... La lecture. Non. Oh, c'est amusant, ça. Contre l'insomnie. Moi, je crois que vous avez donné des recettes extraordinaires. Dites, il faut une chambre à moins de 18 degrés, ça, c'est bien. Et pour aussi... vous dites aussi, vaste et passionnante, la sexualité dépasse le domaine du désir sexuel. Mais vous rendez compte ce que vous écrivez? Oui, Freud a dit tout est sexe, donc c'est vrai que j'ai repris la sexualité. Mais Freud n'a rien dit de tout ça. Freud a dit le contraire de tout ça, de toutes ces bêtises américaines, sophrology et tout ça, à savoir l'esprit positif. Hein, c'est pas américain. Mais oui, c'est américain, sophrology. Là, vous confondez avec le New Age. Ce n'est pas c'est pareil. C'est la même chose. Non. Les ondes positives, non, le machin. Non, vous confondez New Age, ésotérisme et sophrologie. Sophrologie, c'est simple, c'est très simple. Ce sont des techniques au quotidien à gérer tout simplement pour, oui. pour apprendre à se détendre. La science de l'harmonie, c'est ça. Ça n'a rien de magique. Il n'y a pas une croyance quelconque. Il n'y a aucune croyance. Je crois qu'il y a vraiment une confusion par rapport à... Vous n'avez pas dû lire tout le livre, alors. Alors là, regardez, ce n'est pas lu. Regardez toutes les notes que j'ai prises. Regardez ça. Non, c'est... Moi, écoutez... Vous dites, vous refermez vite. Hein. Oh, le charlatan. Oh, l'escroc. Regardez toutes les notes que j'ai prises. Hop là. Et hop là. Vous êtes victime. Mais Pierre, pourquoi est-ce que vous êtes autant contre ça? Pourquoi est-ce que vous avez autant j'aime de... J'aime bien quand elle vous appelle Pierre, puis qu'elle vous voit. Ouais. Ah ouais. Mais non, mais il pourquoi est-ce que vous êtes autant... Appelle-moi Trésor et dis-moi tu, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre ça? Ça, je comprends pas bien. J'ai contre ça que je trouve que c'est la chose la plus importante au monde, à savoir l'équilibre de chacun, à savoir comment on peut arriver à vaincre ses peurs, comment justement la psychanalyse est un moyen formidable, quoique contestable souvent dans ces... Mais que dire? Vous allez bien vous appuyer comme ça, vous allez trois fois vous presser le ventre et vous verrez, vos forces cognitives vont devenir plus fortes. Ben je trouve que c'est... J'adore les escrocs, mais pas là-dessus. Voilà. Mais là, je crois que, encore une fois, vous n'avez pas lu le livre, parce que je n'ai pas jamais écrit ça, ça n'a jamais été écrit. Vous ne vous dites pas comment il faut s'appuyer sur un film. Presser le ventre, non, je ne crois pas, je n'ai pas le sentiment. Alors là... Sur l'abdomen, oui, mais il faut bien vous défendre, parce que moi, je veux bien vous aider, mais je vais vous défendre quand même. Alors, c'est effectivement pourquoi on met la main sur le ventre pour savoir si on respire avec son abdomen. Mais là, en fait, parce que la plupart du temps, on est dans cette respiration haute, qui est la respiration thoracique. Donc, pour bien comprendre comment, effectivement, on arrive à se relaxer et à se détendre, c'est en mettant ses mains sur son abdomen pour arriver à prendre conscience que l'on peut petit à petit arriver à cet état de détente. J'ai trouvé la phrase. Pour stimuler les organes génitaux. Truc qui n'intéresse personne, mais quand même. Au hasard. Premièrement, mettez-vous en position allongée, les jambes légèrement écartées et posez vos mains sur votre ventre. Ça, on savait. Attendez. À présent, respirez rapidement par le ventre. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant. Pratiquez rapidement cet exercice, entraîne une stimulation des organes génitaux. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais je viens de le faire, arrête, tu m'excites. Vous pourrez l'effectuer juste avant un rapport sexuel. Juste avant un rapport sexuel, mais qui dit attendez 5 minutes. Ouais, on fait une pause. Ou pendant les préliminaires, durant 1 à 2 minutes, pas plus. C'est drôle. Pour éviter quoi? Pour éviter toute hyperventilation. L'hyperventilation, voilà l'ennemi. Voilà. Vous n'avez pas choisi la bonne phrase, Pierre. Moi, une phrase qui m'intéresse, c'est « Le corps ne fait aucune distinction entre les dangers réels et les dangers imaginaires ». Ça, c'est fascinant. Caroline. J'ai essayé la sophrologie, pas pour maigrir, pour dormir. J'y suis allée dans un état d'esprit. Il faut dire qu'il faut un état d'esprit pour ce genre de choses, pour la sophrologie. Je pense que si on y va, si Pierre allait par hasard chez un sophrologue, ça ne servirait à rien. Alors, pour les exercices pour devenir mince, vous dites « Il faut se visualiser mince ». Chaque soir, avant de vous endormir, pendant 21 jours, imaginez-vous avec votre poids idéal. Je vais essayer de le trouver entre le poids que je faisais à la naissance et maintenant. Et dites, alors, mais à quoi ça me servirait? D'accord. C'est pas faux. Pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps nécessaire à la reprogrammation du mental pour se projeter, effectivement, dans son imaginaire. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et on acquiert ainsi un certain nombre de réflexes. Par exemple, si vous vous projetez mince au niveau de votre mental, eh bien, quand vous allez faire vos courses et quand vous allez faire votre marché, vous avez cette image de vous avec une silhouette différente. Et vous n'allez pas acheter n'importe
n'importe quoi au supermarché. Vous allez faire très attention à la manière de vous alimenter. Vous savez, ce que vous disiez, monsieur, c'est la contre-indication première, c'est le manque d'adhésion de la personne. Il est évident que si on n'adhère pas, ça ne marche mais pas. Mais je suis sûr que ça va marcher à Cambrai, votre livre. Hein. C'est pas vraiment qui, ça. Non, Annie, défendez Madame Freud. Mais défendez Madame Freud, c'est quand même drôle ce nom, hein, on a beau dire. Ah, ça doit être dur à porter. Quel joli nom, oui, moi j'adore. Oui. Ah, ouais. Ah oui, à part Caroline Diamant, Caroline Freud ou Caroline Einstein, j'aurais adoré. C'est presque une hygiène de vie, vous savez, revitaliser les cinq sens par exemple. Caroline Einstein. C'est marrant, ça vous va pas. Vous préférez Caroline Monroe? Ah, c'est mieux. Moi, je veux bien y croire, moi. C'est une question de volonté aussi, finalement. Moi, je veux bien y croire une dernière fois. Michel, faites-m'y croire une dernière fois, mais après, ce sera fini, n'est-ce pas? Moi, je crois que ce qui est important, c'est que... Je crois que vous plaisez beaucoup à Pierre, vous savez. Oui. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des petits outils. Pierre a été obligé de changer de nom, faut vous le dire, mais c'est Pierre Siffredi, son vrai nom. Non, on m'appelle... Alors, évidemment, quand il se détend, ça fait du bruit. Christophe, un mot. Non, mais c'est-à-dire, moi, je suis allé dans les pages. Je suis allé directement dans Sexualité épanouie. Hein. Pas pour moi, c'est pour un ami. Et un Pierrot, là. Et bon, il y a des belles phrases. Les hommes ont besoin de faire l'amour pour se sentir bien, alors que les femmes ont besoin de se sentir bien pour faire l'amour. Oui, c'est vrai, en plus. Ben oui, mais bon, on le savait. L'éveil sexuel, de temps en temps. C'est bien de le rappeler. L'éveil sexuel masculin passe par la vue. Un décolleté, des formes voluptueuses, une jupe moulante vont attiser le désir. Mais oui, mais enfin, je me demandais pourquoi je bandais, mais là, maintenant, j'ai compris. C'est-à-dire que vous enfoncez quand même beaucoup de portes ouvertes. C'est-à-dire qu'à force de tourner les pages, quand même, on est en courant d'air. Oh là là, c'est méchant. Ça, c'est pas très gentil. Parce que c'est pas très gentil, mais moi, vous êtes méchant, parce que c'est pas ça. C'est pas très gentil, ça. Elle reprend à la quand base. Quand aux exercices, oui, mais d'accord, mais enfin, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, ça va bien sans le dire, ça va mieux en le disant, mais enfin bon. Il y a pas de filles qui savent que... Moi, j'ai fait l'exercice vraiment, sérieusement, que Pierre décrivait tout à l'heure, je me suis endormi, mais carrément, quoi. C'était bien relaxé. Mais c'était pour stimuler les organes génitaux, je te signale. Parce que vous avez sauté une étape. Il y a un exercice facile pour se mettre de bonne humeur, se soulager et penser à autre chose, c'est faire venir sur un plateau Jérôme Bonaldi. Oh, Jérôme! Remettez Madame Freud de bonne humeur parce que Pierre Bénichoux n'a pas été gentil avec Madame Freud. Non, c'est pas vrai, elle a très bien compris ce que je voulais dire. Ça devrait être consensuel. Les beaux jours sont revenus, c'est pas un scoop. Tout le monde a peint ou va peindre. C'est le week-end de printemps, on refait tout. Ça tombe bien parce que des nouvelles peintures sont arrivées. Je le savais pas, mais en fait, tous ceux qui ont fait de la peinture le savent, les murs bougent. Et ils bougent sans arrêt. Ils sont flexibles, nos murs. On peint, et puis hop, un an après, qu'est-ce qui se passe? On voit des micro-fissures. Heureusement est arrivée une peinture flexible. Flexible, c'est-à-dire que le mur, il peut faire comme ça, il peut faire des micro-fissures. Là... Oh, Naldi. Mais non, c'est flex. Alors, j'ai fait le test, oui, virgule, ça marche. J'ai peint deux peintures, une peinture ordinaire d'une banalité affligeante et la nouvelle, ici, sur le même support exprès élastique. On ne va pas attendre 2 ans que le mur, il bouge. Voilà la peinture normale, ordinaire, d'une banalité affligeante. Imaginez le mur qui bouge, qu'est-ce qui se passe? Ça craquelle. De la coquille d'œuf. Enfer et damnation, quelle horreur. Ça craquelle. Heureusement, est arrivé sur le même support, et ceci dit, sans trucage, la peinture flexible, je tire, regarde. Ça tient. Ah non, ça c'est bien. Et en même temps... C'est plus cher. C'est quasiment le même prix. C'est rien. Alors pourquoi il continue à en faire qui craquelle? Pour que tu repeignes derrière. C'est les autres, ils ont la concurrence. Ça existe dans toutes les couleurs? Ça existe en blanc et dans toutes les couleurs du moment que c'est blanc. C'est dans l'air du temps, la flexibilité. J'ai autre chose. Les beaux jours reviennent et avec eux, les moustiques. Les gros moustiques. Vous avez vu qu'il y a une invasion dans les villes. Non pas de moustiques, mais de gros moustiques et de moustiques mutants. Certes, on peut continuer à faire le pchit-pchit qui pue. Mais surtout, le moustique est mutant. C'est-à-dire que le moustique résiste maintenant au nouveau pchit-pchit.
qu'est-ce qui marche après une longue enquête genre Vermus, c'est-à-dire deux minutes, ouais. J'ai... C'est super j'ai... ça, c'est le vieux truc et ça revient super à la mode, vous le connaissez. La spirale. Non. Capturer le moustique. Mais vous connaissez ça. C'est le papier tumouche. Ah bah oui. Le fameux papier tumouche. Ça revient super à la mode. Vous l'accrochez au lustre. Bah, ça allez, c'est hein. Dégueulasse. C'est... Ah, pourquoi c'est tout ça? Regardez, le moustique est là, hop, j'en ai un. Ah oui. Ça fait. Et alors, quand il y a trop de moustiques là, vous enlevez un petit peu et vous attirez. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moustiques à ce moment-là, vous jetez à la poubelle. C'est pour avoir l'homme araignée que vous faites ça, hein? Oui, un peu. Alors, ça, ça marche bien. Ah, l'autre c'est truc, à refermer, visiblement. C'est un petit peu d'électronique et d'anti-moustique habituel. Voici, c'est bon beau, hop, un anti-moustique. Regardez qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a la fameuse pochette super collante. Hop, j'enlève. Voilà, le moustique, il arrive là-dedans, il se colle et il ne peut pas s'en sortir. Mettez votre doigt, puisque vous avez commencé. Vous avez vu, c'est... Ah, ça colle. Hein. Voilà. Ah, oui, mais moi. Comment faire pour attirer le moustique? La lumière. La lumière bleue, la fameuse lumière bleue qui attire le moustique. Le moustique mâle ou femelle, ah, la ça mouche, c'est plus joli. La guêpe. Ça, c'est déjà plus design. Ça vous plaît? Ah, ça oui. Peut s'accrocher sur le mur, avec le petit truc qui est ici. Ça peut se mettre sur une table. Ça existe en plusieurs modèles. C'est, semble-t-il, le modèle le plus efficace et le moins chimique qui soit. Pierre trouve ça honteux. Mais non, c'est une espèce quand même qu'on risque de décimer. Et c'est horrible, ça, moi, je trouve. Il y a des animaux avec lesquels il ne faut pas rigoler. Un jour, on sera obligé de réintroduire les mouches. Ce qu'on appelle les enculeurs de mouches. Peut-être. Non, c'est trop dur, ça. Il y a encore un truc ridicule que je vois, là, c'est quoi? Ça, c'est la chasse sportive des moustiques. C'est tout de suite. Allez-y. Ah. Vous êtes Pierre Bénichou. Vous êtes dans votre lit. Il faut que le moustique soit relativement proche. Vous armez le flingue comme ceci. Hop. Attendez. Voilà. Et vous tirez. Regardez. Un, deux. Pam. Voilà. Et en plus, ça revient. Et pour les mouches, ah bah moi, ça, va aussi. Ça marche également pour les mouches, pour les guêpes. Un, deux. Boum. Ouais. Oh merde. Par la peinture. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci Jérôme Bonaldi. Réconcilier l'âme et le corps chez Albin Michel. 40 exercices faciles de sophrologie. C'est signé Michel Freud. Merci madame. Avant nos prochaines invités, sont deux. Passons tout de suite aux photos du jour. Pile après les résultats du premier tour des présidentielles, il était important de savoir ce qu'étaient devenus les petits candidats, ceux qu'on a appelés les petits candidats, ceux en tout cas qui sont éliminés dans la course à l'Élysée. Où sont-ils? Que font-ils? On a tout essayé à mener l'enquête et nous sommes en mesure de vous délivrer quelques informations les concernant. D'abord, Olivier Besancenot, gonflé à bloc, parce que de tous les candidats, c'est quand même celui qui a fait le meilleur score parmi les petits 4,1% des voix, quand même, un dimanche dernier, mieux qu'il y a 5 ans. Alors lui, il n'a pas l'intention de changer de métier, mais quand même, grâce à son score, ses amis lui ont offert quelque chose qui va arranger sa vie désormais. Question de standing, il distribue le courrier comme ça. Voilà. C'est normal, il l'a mérité. Madame Marie-Georges Buffet, elle, en revanche, a enregistré le plus mauvais score du Parti communiste il y a 8 jours. Et franchement, 1,9% des voix, c'est pas grand-chose. Elle fait un peu la tête. Faut dire aussi que même Robert Hue se moque d'elle aujourd'hui. Et ça, il y a de quoi être vexé. Certains disent que c'est la fin du Parti communiste en France. D'ailleurs, demain, 1er mai, c'est pas du muguet qu'ils vont vendre, les communistes, mais des chrysanthèmes. Et... aux dernières nouvelles, Madame Marie-Georges Buffet est partie à l'étranger rendre visite à un vieux camarade. On a les photos, voilà. Et elle a demandé à Fidel Castro quel était le secret de sa longévité. Il lui a donné, elle est repartie avec. À votre avis, c'est qui la grande perdante des élections? Dominique Voynet. Dominique Voynet, surtout la grande perdante. Eh oui, la candidate écologiste n'a fait qu'1,57% des voix il y a une semaine. Et ce qu'on sait, c'est qu'après les résultats, elle a organisé une réunion de crise avec tous ses militants. Voilà, on a... Et précisons que l'ours blanc à côté de Madame Voynet n'est pas Gérard Chivardi. Madame Voynet est tellement furieuse, pour ne pas dire verte, que l'écologie n'ait pas marché à l'élection présidentielle, qu'à la prochaine marée noire, il paraît qu'elle ira sur les plages polluées, mais pas pour ramasser, pour étaler. Vous voulez avoir des nouvelles de qui?
Ah bah Chivardi. Chivardi tout de suite. Oh, pas Chivardi tout de suite. Et Philippe de Villiers. Mais oui, voilà. Tout le monde oublie Philippe de Villiers. Bah, lui, il est retourné dans sa Vendée, au Puy du Fou. Là-bas, au moins, il a des tas d'électeurs, on les voit sur cette photo. Mais son mauvais score à Monsieur de Villiers l'a beaucoup remué. Il aurait même complètement pété les plombs, Philippe de Villiers, depuis dimanche dernier. Et la dernière fois qu'on l'a vu, bah, il sortait d'une mosquée et il était comme ça. Vous avez des nouvelles du candidat des chasseurs? Ah oui, ah, oui. Qu'est-ce qui est arrivé, le candidat des chasseurs? Je ne sais pas, il est retourné chasser. Bon. Ah, il est parti à la pêche. Eh bien, nous avons enquêté. Ah, ben, c'est pas la fête non plus de son côté. Hein. Il a fait un très mauvais score, moins bon que celui de M. Jean Saint-Josse, hein, il y a 5 ans. Et évidemment, quand ils ont vu le score de leur candidat, eh bien, les chasseurs ont forcé M. Nius à s'habiller comme ça. Et ils lui ont dit maintenant, tu cours. Et on n'a pas de nouvelles depuis. J'aurais pas oublié encore quelques candidats. Arlette, je la garde pour la fin, Arlette. José Bové. José Bové, ah, merci Annie Lemoine. Eh ben, ouais, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. 1,32% des voix. Hein. Évidemment, il ne sera pas remboursé de ses frais de campagne. Alors, il va être obligé de payer maintenant, hein, de rembourser, vu son niveau de qualification. Il n'y a, hélas, que dans un Mac Drive qu'ils ont bien voulu l'embaucher. C'est terrible. Arlette, Arlette. Arlette. La seule qui soit contente dans tout ça, parmi tous les petits candidats éliminés il y a 8 jours, c'est Arlette Laguiller. Après avoir consacré sa vie entière à lutte ouvrière et mené 6 élections présidentielles, Arlette a décidé de s'éclater. En effet, dès le lendemain du premier tour, elle a pris un billet d'avion pour Los Angeles et elle a retrouvé sa meilleure amie. Voilà les dernières nouvelles qu'on a d'Arlette. Cinéma maintenant, puisque mercredi prochain sort Pure Weekend. Pure Weekend, c'est un film réalisé par Olivier Doran avec à l'affiche le fraîchement césarisé Kad Merad, mais aussi Philippe Lefebvre, Bruno Solo, Valérie Benguigui et, tiens, François Berléand, qu'on n'avait pas vu sur les écrans depuis longtemps. L'histoire, c'est celle d'une randonnée entre copains, une randonnée qui tourne au vinaigre et se transforme en une véritable course-poursuite avec toutes les polices de France. Pour parler de ce film qui a beaucoup plu, je crois, à Caroline Diamant et Jérémy Michalak, accueillons tout de suite deux des comédiens, Kad Merad et Philippe Lefebvre, pour Pure Weekend. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans 2 jours. Alors, c'est le premier. C'est le premier. Il sort le 1er mai. Alors, demain. Oui, voilà. Il faut quand même préciser que c'est demain que ça sort. Il sort le mardi. Déjà une connerie. Déjà, ça commence bien. Non, oui. Non, mais alors, un film qui sort le mardi, comment ça se fait, ça? Eh bien, c'est parce que c'est le 1er mai. Ah, ben, et que voilà. Ça sera plaisant. Voilà, on aura toute et la journée. Et aussi parce que mercredi soir, vous n'auriez pas eu beaucoup de monde pour une première soir. Pourquoi? À cause du débat entre Ségolène Royal et... Comment ça s'appelle? Et Nicolas Sarkozy. En même temps, on ne décide pas de la sortie, mais je crois que c'est une bonne idée de sortir le 1er mai. Voilà, tout va bien maintenant. Et nous sommes en train de vivre justement un pur week-end depuis vendredi jusque mardi. Quel enchaînement! Regardons tout de suite la bande-annonce. Je ne sais pas ce qui nous prend. C'est bien. Regardons la bande-annonce. C'est léger, c'est léger. Permission. J'ai pensé qu'on pouvait essayer de le faire libérer, monter une association. Il a pris 3 ans pour trafic de cannabis, c'est pas de Che Guevara non plus. Avec Alvaro? Il est avec nous, non, vous inquiétez pas, on le ramène dès lundi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est finie depuis 8 h ce matin, sa perme. On ratisse les alentours et on vérifie qu'ils n'ont rien laissé derrière eux. On va trouver la solution. C'est pas en s'énervant qu'on va trouver la meilleure. Ils nous a pris en otage! Comment t'as pu me faire ça? Ils vont me tuer, putain! Non, ils ont pas le droit, là, ils t'inquiètent pas! Une on n'est pas en rando là. Cette année on fait une cavale, c'est plus sportif. Bloquez-vous. On est d'accord, on n'y arrivera jamais. Ça va pas être simple. Philippe Lefebvre, je crois savoir que vous êtes pour beaucoup à l'origine de ce film, si ce n'est du scénar, mais aussi de la production. Pas de la réalisation, en tout cas. Pas de la réalisation, non, de l'idée originale et du scénario, et que l'idée originale que j'ai eue avec Alain Attal, le producteur. L'idée, c'était de faire un film un peu générationnel sur l'amitié, comme ça, en décidant de parler de l'amitié, en la mettant à l'épreuve. C'est un peu une extrapolation de la fameuse phrase « Si un ami sonne à ta porte avec un cadavre, est-ce que tu caches le cadavre ?» Exactement, c'est exactement. J'ai cherché longtemps cette phrase et que j'avais entendue un jour et c'est voilà, ça. C'est exactement ça. C'est bravo, quoi la phrase? Si un jour à ta porte sonne des témoins de Jéhovah, surtout n'ouvre pas. J'avais ça avant, non? C'est pas ça? Caroline. Écoutez, c'est un très bon film.
Je me suis régalée. Et alors, il y a un truc qui est assez rare pour une comédie, je ne vous cache pas. Souvent, les comédies, elles partent très très bien, et puis parfois, elles s'essoufflent. Et bien là, pas du tout. Ça part au début, on se dit, oh, ben, ça a l'air sympathique, et alors, plus ça avance, plus on se marre, et ça termine dans une franche rigolade. Je vous encourage vivement, pour le 1er mai, un petit brin de muguet, vous déposez chez Mamiouche, vous allez au cinéma. S'il fait chaud, il y a la clim, c'est parfait. Pur week-end. Merci. Ah, je vais y aller. Michalak, vous êtes du même avis? Ah oui, complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Faut savoir que c'est un film qui n'est pas que drôle, qui n'est pas non plus qu'une comédie dramatique, et c'est le dosage qui est vachement bien réussi. Parce que le sujet central, c'est bien sûr l'amitié. Ça rappelle un truc important, c'est que l'amitié, c'est un truc un peu comme l'amour qui est fragile. C'est un truc dont il faut prendre soin. C'est quelque chose qui est mis à l'épreuve avec les années qui passent, qui est mis à l'épreuve aussi avec l'individualisme de chacun, et de chacun presque à sa gueule. Moi, je suis content, en tout cas, de ce que m'ont raconté Caroline et Jérémy. Ouais, pour tout vous dire, j'avais une petite réserve en voyant l'affiche. Je ne vais pas vous mentir, je me disais, tiens, oh, ils nous font le coup des randonneurs. Hein. C'est un peu la réaction qu'on a en voyant l'affiche. Et puis, alors, pas du tout, manifestement. C'est quoi, le coup des randonneurs, c'est C'est-à-dire que dès que maintenant, on voit des gens marcher dans une montagne... Un randonneur bis, faire, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'interdire de faire un film qui se passe en randonnée, parce qu'il y a eu les randonneurs. Voilà. À un moment donné, ça n'a rien à voir. C'est un univers qui est propice à la comédie, à l'aventure. Et on a la chance d'avoir des magnifiques montagnes dans notre pays. Profitons-en. Et voilà, et puis on a la chance d'avoir. Des magnifiques comédiens, parce que vous avez beaucoup de petits camarades qui vous accompagnent. On va les citer, formidables. Ils sont tous très bien. Valérie Benguigui, qu'on voit de plus en plus. Ma femme. Et on est poursuivi par deux flics, François Berléand et. Un petit jeune. Alors, François Berléand, vous lui avez donné sa chance, en fait. Enfin. Vous n'arrêtez pas de tourner maintenant. Vous voulez faire une carrière à la Berléand, peut-être je vais bientôt changer de nom. Je vais aller à la mairie, c'est possible. En même temps, Berléand, dans ce film-là, je ne sais pas si vous avez vu Ne le dis à personne. Oui, aussi avec Philippe. Il fait déjà un flic déjà différent, et dans celui-ci, il est encore différent. Ça, c'est quand même on ne se moquerait pas de lui si on ne trouvait pas un très bon comédien. C'est hallucinant. Évident. On peut tous le dire, voilà. Mais je pense que, d'ailleurs, il est venu le dire hier et il viendra le dire demain. Vous avez fait mourir de rire, justement, avec votre ami, dans des sketchs formidables à la télévision, et tout d'un coup, vous jouez maintenant un rôle presque tragique, et vous êtes d'autant plus... Vous mettez votre point d'honneur à trouver des rôles, justement, qui sont un peu à contre-emploi. Et il n'y a pas que vous qui êtes comme ça, il y a tous les acteurs. Pourquoi est-ce que vous voulez changer de catégorie tous, comme ça? Alors, peut-être que ma question n'était pas terrible, mais enfin, vous savez... on fait ce qu'on peut, c'est pas mon rôle non plus d'interroger des types que je tutoie dans les bars et qui me répondent « vous ». Hein? Oui, c'est... T'as fait ça une fois. Oui, j'ai alors, fait depuis, ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai je c'est voudrais vrai. Vous donner cette leçon. Il était seul, je me dis « je peux m'asseoir, bien sûr, je bois une bière avec lui ». Je lui dis « alors, mais t'es content ?» Il me dit « oui, vous savez, je suis... c'est la pire chose au monde, c'est la pire chose au monde. Il ne faut jamais, vous voyez... » À partir de 30 ans. Quelqu'un qui vous tutoie. Ah bon? Ah bon? Mais oui. Ah bah oui. Jamais, parce c'est que quoi, ça c'est le mec, son, là. C'est un vieux con. Je sais pas. Mais oui, mais s'il le pense. Il faut. Bah. Isabelle. Alors, Cad a le plus beau massif fessier de tout le PAF, si je peux me permettre. Vous l'avez beaucoup montré, votre cul. Vous avez beaucoup montré vos fesses. Et à chaque fois, c'est une... Ah bon? C'est un plaisir. Moi, je le connais, en tout cas. Dites-moi. Je les ai vus à la télé. Oui. Moi aussi, à la télé. Hein. Et vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec Michael Youn? Oui, c'est vrai. Non, mais il était sobre. Il a un fessier plus médiocre. Qu'est-ce que je fais entre ces deux-là, qui disent un monsieur qu'on connaît à peine, qui est chauve, qui me dit vous? Et que lui dire, t'as un beau cul? Non, mais c'est pas vrai. Vous êtes quand même le plus beurre de tous, le plus algérien de tous, puisque vous êtes né en 64 à Sidi Belabès. Ouais. Vous êtes né en Algérie. Ah, vous êtes venu là, ouais. Et vous êtes le seul d'origine algérienne qui nous rebatte pas les oreilles sans arrêt en disant, oui, mes origines, mes racines, mes machins, mes trucs. Comment ça se fait, ça? Ah, ses racines. En regardant l'émission, le début de l'émission, on avait l'impression de regarder un stand-up. Votre émission, c'est un stand-up. Dès qu'il y a une phrase, il y a des applaudissements, des rires et tout. C'est extraordinaire, cette émission. C'est formidable. Vous éclatez comme des bêtes, c'est génial. On ne vole pas notre argent, vous savez. Et on fait ça tous les jours. C'est vrai, je sais. Même parfois deux fois par jour. Mais j'ai fait des quotidiens à la comédie, je sais ce que c'est de faire des émissions. Ah ouais. Et de recevoir des invités relous parfois, je sais ce que c'est. Et parfois deux en même temps. Oh là là. Moi, j'ai la moitié arabe en plus.
Donc j'ai fait une gaffe, parce que vous serez dans les randonneurs à Saint-Trope la suite. Ah oui, c'est une toute petite participation. Je fais l'amant de Géraldine Pellas. Ah oui, c'est sûr, c'est une petite participation. En temps, mais en implication, non. Vous serez aussi dans Détrompez-vous. Oui, de Bruno dans Degas. Dans Ma vie sans maigre. Et... Vous n'arrêtez pas de tourner, vous aussi, alors. Hein. J'ai beaucoup tourné dernièrement, mais je vais prendre des vacances, là. Et vous écrivez aussi. Et j'écris le prochain film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet. Bon, voilà, on sait tous deux. C'est pas de chance, parce que c'est sur vous que ça tombe. Ah, Paul Vermus, non Paul... Gagné oh. Et c'est Popolade. Non. Ah si. Ah si. Ah ben moi, non, alors. Pardon. On ne même plus la main du patron. Je suis navré. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien que je ne suis pas cire-pompe, hein. Vous avez vu, c'est drôle, on croirait Galabru. Non, enfin, non. C'est vrai. Non, la dernière fois, vous aviez dit... Non, Christian Morin. Galabru, sans le talent. Christian Morin aussi, Galabru, sans le talent, c'est ce que ça veut dire, ça. Que je vous ai agressé. Voilà, alors. Voilà, mon petit point, le verre. Non, mais c'est incroyable. Ah, les papalades. Ah, c'est bien, oui. Alors allez-y. Ouais, des nouvelles de Monsieur Chirac. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire Chirac quand le ou la présidente sera nommée, il va quitter l'Élysée, et quelle sera... Non. Si. Et quelle sera sa première décision? Ah. Ah voilà. Déménager. Et c'est un... Pardon. Emménager. Non. La destination de sa vacances. C'est pas des vacances, mais enfin c'est tout comme. Il va partir pour la 86e fois au Japon. Et 86 voyages au Japon, il n'y a pas un chef d'État qui a fait ça. Du coup, bonne nouvelle, il va être inscrit au Guinness Book. Ah voilà. Ah, ouais. Vous ne saviez pas. Hein. Et il fait quoi là-bas? Il va voir sa fille? Oh, c'est amusant ça. Hein. C'est vrai qu'on a un Japonais en coulisses parce que. Non, mais c'est... On a un Japonais en coulisses? Oui, parce que Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi héberge un Japonais depuis 3 jours. Il est là, Takashi? Ce serait bien de vérifier à la source ce que dit Paul Vermus. Il est où, Takashi? Il est où, Takashi? Voilà. Venez à côté de Christophe. Can you go near Christophe? Yeah. Thank you very much. Il ne parle pas français, Takashi. C'est vrai que vous êtes hébergé par Jérôme Bonaldi. You live at Bonaldi's home. Pardon? Et toi, tu parles pas anglais, apparemment. Non, pas du tout. Et moi, you are living at Bonaldi's home. Do you live with Jérôme Bonaldi? Bah, c'est pareil, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais lui, elle, dans un langage. Ah, bah oui, mais laissez-le répondre, laissez-le répondre. Please. I'm staying in Jérôme's home. Yeah. Ok. Okay. Really nice. Just for a week. Je vis chez Jérôme Bonaldi depuis 8 ans maintenant. Je fais la cuisine, le ménage. Oui. Do you know if this man... Mr. Chirac. Sorry. Mr. Chirac. Yes. Does he often goes to Japan? Oh, really? Yeah. Yes. Yes. Do you know how many times? I don't know. Ah. Bon, donc mon information est bonne. Tu ne sais pas. Do you know by any chance why our president is going so often mieux, to Japan? I don't know. Do you know? Ah, ici il comprend quand do je parle. You know mais il sait pas, il sait pas. The name of the woman. The woman? The name of the woman. With whom the president. Non. Il y a Vermus qui est vert parce que le japonais est en train de lui piquer la menotte. Mais non, pas du tout. Posez-lui des vraies questions. Bonaldi is a very good friend to you. Yes. Oh, yes. Yes. What are you doing together? Well, ah, voilà. Ça va, vous sortez un film, les gars. Le week-end qui sort, hein, c'est gentil. Thank you very much, Takashi. Merci. Merci pour ce témoignage. Ah. Non, mais autant prendre la fois à la source. Une chanson. Ça, c'est d'abord. Ça, c'est de l'information. Hein. Julia Roberts. Toutes ces stars, vous le savez mieux que personne, qui vont à Cannes, ont tous des caprices. Je parle pas pour vous, qui êtes quelqu'un d'assez simple. Un peu simplet, même, parfois. Hein. Ouais. Mais non, mais attendez, c'est pas moi. Ah oui, c'est vous. Regardez pas, mais c'est dévié juste de midi. Eh bien, alors, je vais vous donner comme ça quelques caprices qui sont vrais et vérifiés. Voilà. Alors, Julia Roberts, elle, pour entretenir sa forme et avoir ce teint et ce visage extraordinaire, il faut qu'elle boive systématiquement du lait frais. Georges Clooney, par exemple, qui est pourtant un mâle, Georges Clooney. Il plaît aux femmes, Georges Clooney. Ouais, il a pris un petit coup de vieux, là. Il
Bon, coup de vieux ou pas coup de vieux, en tous les cas, il ne sort pas dans la rue, qu'il est... Attendez, écoutez-moi. Il ne sort pas dans la rue. Non, non, mais ça m'intéresse, parce que c'est super intéressant. Alors, on dirait Magloire sur M6 le matin. C'est des infos... Non, il ne sort pas... C'est sans négatif. Il ne sort pas, où qu'il soit, il ne sort pas sans s'être fait maquiller. Alors, par exemple, il y a d'autres caprices, oui. Non, allez-y, je rame pas du tout. C'est d'une simplicité folle. Al Pacino, par exemple. Al Pacino. Sans ce talent. On n'est pas très loin de la vérité. Al Pacino est une femme. On n'est pas très loin de la vérité. Al Pacino, c'est un fou de la chaussure. Ah. Ben, quand il est dans un palace, au lieu de mettre sa paire de chaussures. Maître. Bon, écoutez, Laurent Ruquier, je vous ai appris ce métier, alors soyez gentil. Son cheveu sur la langue, c'est de lui. Eh bien, au lieu de mettre une paire de chaussures, oui. Il en met 6, 7, 8, il faut que toutes les chaussures brillent, voilà. Voilà. J'ai rien compris. C'est pas vrai. Il n'a que deux pieds, il est comme tout le monde. Il n'a que deux pieds, mais on a le droit de mettre 6 paires de chaussures devant la porte de son hôtel. J'arrive pas à finir la phrase. Bah oui, dans un palace pour les faire serrer pour qu'elles brillent. Depuis 100 ans. Quoi ? Pierre vous dit qu'on met plus les chaussures devant la porte depuis longtemps. Enfin, vous n'allez pas dans les palaces, cher Pierre. Non, je me gratte. Annie, Paul Vermus vous dérange ? Non, mais. Oui, non, mais c'est pas vous. Pareil, j'ai un bouchon. Pardon, mais je me renseignais sur le film et y a des choses vachement bien dans le dossier de presse. Mais je veux pas. Faites comme chez vous, il n'y a pas de souci. Vous savez, j'en ai vu d'autres, moi, dans ma carrière. Hein. Non, mais c'est vrai. Alors que ce que vient d'entendre, là, Annie, vous êtes sûr. Mais attendez, comment elle s'appelle cette jeune femme, par exemple Anne-Marivin. On lui dit jusqu'où êtes-vous allée par amitié. Elle répond à un concert de Sardou. Et je trouve que ça, c'est une réponse géniale. Pardon, Paul. Non, mais il n'y a pas de quoi. Michel Sardou, l'animateur qui. Michel Sardou, actuellement en concert. Allez, un dernier mot. Oui. Sur Sheryl Crow. Alors, Sheryl. L'ex-femme de Lance Armstrong. Oui. Ah, c'est bien. Alors, vous savez qu'elle mérite... C'est ça l'info? Non, ça, c'est pas l'info, mais l'info, j'ose pas vous la donner. Ah, si. J'ose pas. C'est un truc médical. C'est médical. Alors, c'est quasiment médical. Prendre une feuille de papier cul pour les toilettes. Oui, enfin, ça, c'est le premier élément contre le réchauffement de la planète. C'est vrai, vous savez tout. Parce qu'elle a, mais elle a une autre idée. Elle a un blog écolo. Oui, mais là, elle dit une feuille par papier toilette. Mais dans le cadre du réchauffement de la planète, qu'est-ce qu'elle a proposé en plus? Je n'en peux plus. Non, il faut que je fasse des mouvements d'assouplissement. Parce que... Revenez là. On va arrêter de chauffer les piscines. Faire des mouvements d'assouplissement. Mais ça a un rapport. Les piscines chauffées. Oui. Réchauffe la planète. Oui. Et elle a décidé. Ça réchauffe surtout l'eau de la piscine. Oui, mais ça réchauffe la planète. Et ça, elle l'a pas dit dans son blog, elle va le dire demain. Donc je vous le donne en exclusivité au lieu de dire. Mais non, elle l'a dit samedi. Non, mais l'important, c'est vrai que c'est une mesure essentielle. Au lieu de chauffer sa piscine à 28, 29 degrés, comme je le fais moi, j'arrête le chauffage et je laisse la piscine à la température ambiante. Non, les gars, ça se passe bien. Vous avez sorti un film, il paraît. Demain. Mais comment demain, ça se fait qu'il sort le 1er mai? Vous la chauffez, vous, votre piscine? J'ai pas de piscine. Ah non, t'as pas de piscine. Est-ce que tu gagnes? Je vous demande pas si vous avez une piscine. J'ai dit qu'aux États-Unis, ceux qui ont une piscine ne devront plus la chauffer. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai quel rapport avec Sheryl Crow? Mais avec le. Mais parce qu'elle milite pour le réchauffement de la planète. Elle milite. Contre le réchauffement. Ah oui, contre le réchauffement de la planète. Alors. Non, c'est pas bien, ça. Et vous m'écoutez pas attentivement. On se donne un mal fou, ici. Paul, votre chèque est à la comptabilité. Merci. Allez, pur week-end. Courez-y dès demain, 1er mai. Vous avez bien compris, les films... Tous les films sortent le mardi? Non, uniquement le vôtre. Il y en a quelques autres en même temps. Ah bah oui, mais c'est eux qui ont ouvert la voie. C'est Spider-Man 3, on a déjà vu les deux autres. Oui, c'est ça, voilà. Oui, puis il est beaucoup moins bien que les deux autres. Donc, Ils vont rester longtemps à l'affiche, donc il faut aller vous voir, vous, en priorité. Non, mais vous savez que Spider-Man va faire entrer du monde dans les cinémas, et grâce à ça, il y aura d'autres films qui vont fonctionner, parce que le monde attire le monde. Un film d'Olivier Doran, on ne l'aura pas dit suffisamment. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bye bye, à demain. Au revoir.